Thank you.
Thank you.
Pierre et le loup. Chaque personnage de ce conte est représenté par un thème particulier et dans la version harmonique par un instrument différent. L'oiseau par la flûte. Le canard par le hautbois. Le chat par la clarinette. Le grand-père par la basse. Le loup par le saxo-ténor, les clarinettes et les barytons. Pierre par l'ensemble des flûtes et clarinettes. Les coups de fusil par la batterie. Maintenant, voici le conte. Un beau matin, petit Pierre ouvrit la grille du jardin et sortit dans les grands prés verts. Sur la branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est tranquille ici, » gazouilla-t-il gaiement. «
Un canard apparut derrière Pierre en se dandinant allègrement. Il était bien content que Pierre n'eût pas fermé la grille du jardin et décida de plonger dans la mare profonde du pré. Voyant le canard, l'oiseau voltigea, se posa sur l'herbe à côté de lui et haussa les épaules. « Quelle espèce d'oiseau es-tu si tu ne sais pas voler ? » dit-il. Sur quoi le canard répondit « Quelle espèce d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ?» et plongea dans la mare. Ils discutèrent encore longtemps, le canard nageant dans la mare, l'oiseau voltigeant au bord. Soudain, Pierre prêta l'oreille. Il remarqua qu'un chat s'approchait en rampant sur l'herbe. Le chat pensa « Voici l'oiseau en discussion. Si j'en faisais mon déjeuner ?» Sans bruit, sur ses pattes de velours, il s'en approcha. Fais attention, s'écria Pierre. Et vite l'oiseau s'envola sur l'arbre. Le chat rôdait autour de l'arbre en pensant « Est-ce bien la peine de grimper si haut ? Quand j'y arriverai, l'oiseau sera loin. » Le grand-père se montra à la grille du jardin. Très mécontent de voir Pierre dans le pré, il lui dit « L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ?» Pierre ne fit aucun cas des paroles du grand-père et déclara que des garçons comme lui n'ont pas peur des loups. Mais le grand-père prit Pierre par la main, le conduisit à la maison et ferma la grille du jardin à clé. Il était temps. Pierre était à peine rentré qu'un gros loup gris apparut à la lisière de la forêt. Thank you.
un éclair, le chat grimpa sur l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui s'approche de plus en plus près. Le voilà qui le rattrape, le saisit et n'en fait qu'une bouchée. Étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à une bonne distance du chat. Tandis que le loup circulait autour de l'arbre et les regardait d'un œil avide. Pendant ce temps, Pierre, debout près de la grille fermée, observait tout ce qui se passait sans aucune crainte. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur un haut mur. Une des branches de l'arbre, autour duquel se promenait le loup, s'étendait jusqu'au mur. Et, en s'y cramponnant adroitement, Pierre grimpa allègrement sur l'arbre. Pierre dit à l'oiseau : « Va, voltige très bas au-dessus de la tête du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » L'oiseau, avec ses ailes, touchait presque la gueule de l'animal qui, furieux, sautait de tous côtés pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup, comme il voulait l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit pour se laisser prendre, et le loup en fut pour sa peine. Durant ce manège, Pierre fit un nœud coulant à la corde et la descendit avec beaucoup de précaution, la passa à la queue du loup et tira de toutes ses forces. Le loup, sentant qu'il était pris, plein de rage, se mit à sauter, essayant de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre. Les sauts du loup ne faisaient que resserrer le nœud coulant. À ce moment, des chasseurs apparurent à la lisière de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre : « Cela ne vaut pas la peine, ne tirez plus. L'oiseau et moi avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en tête, les chasseurs emmenaient le loup. Le grand-père et le chat
fermé la marche. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Eh ouais, que serait-il arrivé si Pierre n'avait pas attrapé le loup ?» L'oiseau voltigeait au-dessus du groupe en gazouillant gaiement « Voyez ce que nous avons attrapé, Pierre et moi !» Attentivement, vous entendriez comme le canard gémit dans le ventre du loup. Le loup, dans sa hâte, l'avait avalé tout entier, et le canard était resté vivant.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.